Il est quand même répété, ressuscité les morts. Puis il se leva, balançant d'un pied sur l'autre, respirant profondément. Cette messe passe maintenant, avait pris le vent, avait pris le large, tous ces vocables, tous ces versets, emplissaient la vieille nef d'avariage et de deux. Dédié des missaïs, j'attrape le prêtre, l'entrée dehors, en combattant, et là, sur la haute fuité à plus pour prendre les interpellés. Vous êtes prêts? L'esprit, est-ce le texte authentique, l'évangile en chair et en os? L'autre se débattait tout éperlué. Ben bien sûr, affirmait-il, c'était l'évangile du jour, Matthieu, chapitre 10. Et personne n'a jamais lu ça, mot à mot, corps à corps, lu comme un manuscrit grec, comme une lettre d'amour, comme un commandement amiral. Oh, mais tout le monde connaît l'évangile, voyons comme le prêtre. Mais le texte, je veux voir le texte à l'œil nu, criait François. Le brave prêtre perdait son latin. Il y a là, mon créant, prenant avec l'archaïque évangile paroissien, un énorme cuir tout bosselé, craquelé, boursouflé. Allez, lis, cria François. Le vieillard s'assit, penché, et le vaste évangile mondial sur ses genoux, à grand besicle, à grand harangue, il commence. En ce temps-là, non, plus vite. Allez, vendez tout ce que vous avez et donnez-le aux pauvres. Voilà. C'est ça, s'exclamait François. Voilà le commencement. Écoutez bien, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ne craignez rien, vous valez beaucoup plus qu'un millier de passereaux. Vous êtes le sel de la terre, disait le livre, vous êtes la lumière du monde. Un instant de silence, puis la voix se faisait nue comme liquide. Laissez venir à moi les petits enfants, en vérité je vous le dis, si vous me devenez semblable à de petits enfants, et puis encore plus une femme invisible, un pur soupir, aimez-vous les uns les autres. Ah, répète-le, jurait François, et le prêtre tout bonnement. Mais oui, c'est ça tel quel. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, répétait François. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. Riches, pauvres, charmants, laids, jeunes ou vieux, hommes, femmes, nègres, blonds, bleus, petits, d'hommes de toute honneur, de toute couleur, chers d'hommes, aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis, ordonnez le maître, aimez ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. François qui était bouillant, il allait venir sous les arbres, scandant et conduisant le texte, niquant un mot, surtout léchant les lèvres, en clignant de l'œil, faisant de drôles de boulinets avec son bâton. Tout à coup, il s'approcha du livre, le palpant à pleine main. Tel texte à peau et muscle, il s'est fait chair. Et le prêtre, maintenant, à bout de bon sens, ainsi au tout automatique, continuez. Que vous servira-t-il de conquérir l'univers si vous venez à perdre votre âme? Et c'était à la queue une ripaille, une orgie de vérité, crue comme des quartiers de bœuf, large comme un ciel bleu. Toute une écriture hallucinatoire en flash, tout à coup la voix très majestueuse, sur ma humaine, dis-moi merci, tu ne tueras pas. François tressaillit comme le poumon, en s'immobilisant par le vent. Tout homme qui se met en colère est passible du jugement. Qui dit raca à son frère est passible de l'enfer. Et puis le ton s'adoucissait étrangement dans la minute. C'était l'accent d'emblémale olympienne, opération chirurgicale, proprement chrétienne. Si quelqu'un te soufflait sur la joue, dans l'autre joue. Dans l'autre joue, répétait François. Si ta main te scandalise, coupe-la, si ton œil te scandalise, arrache-le, répétait François, mais voilà la quintessence, voilà le sommet de l'évangile, l'alpha et l'oméga, à quoi vont s'en faire psychoter dans les dieux pas droits, par les chemins courts et en espagnol, mot à mot, par cœur, salé de soleil, que votre parole soit oui ou non, la sueur de vérité lui coulait par la barbe, l'œil grossissait à l'œil. Les innocents villages, les analphabètes, bienheureux les doux, bienheureux les pacifiques, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Oh, encore balbutiait François, il pleurait de savoureuse, de somptueuse.
de martiales larmes. Il pleurait de tout son visage. Toutes ses mémorables paroles lui envahissaient les moelles comme une corbeille de figues. Il les râpait une à une. Il les trahissait. Il les consommait comme à la communion. Il se sentait immergé tout entier dans cet évangile, repu, saturé, pétri d'évangile. Et l'évangile comme un large fleuve dans la forêt vierge continuait. Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Ressusciter les morts ? Cria François. Elle s'écrit, elle s'écrit en toutes lettres avec des points sur les i. Mais savais-tu donc tout cela, toi, prêtre ? Et est-ce que c'est écrit de toute l'éternité ou de ce matin, avec la rosée, et à grands pas, par la clé, il y a une hiérogolope qui les prenait assis là. Ressuscitez les morts ! Ressuscitez les morts ! Allez, allez, qui a des oreilles pour entendre ? Qui l'entend ? Et personne qui entend, personne qui parte, s'écriait François. Écrit à la plume droite, voire d'alouette, où tout est eau de source. Pain de froment, cœur de soleil, à l'évangile, à l'heure de la vie, être monotonement à continuer. Ni bâton, articula François. En vérité, il se présente tremblant, ce bâton à la main, il regardait soudain comme un objet de chair. Ni bâton, répétait-il, c'était un pauvre bateau de corps mouillé, écorcé en hélicoïde avec tous ses nœuds en relief, tout piqué comme un œuf de Boubreuil, poli à force de paume, usé, usagé par les bons services, il ne quittait jamais ce bâton, planté en main par les rues de sentier, à ses pieds, à la messe, et maintenant, il avait une physionomie, un langage, ce bâton, depuis le temps. Il sentait la terre nourricière, la sueur humaine, c'était son ami, le bâton, frère bâton, et maintenant, il éleva devant lui à hauteur d'œil, le considéra contre le soleil en silence. Toi aussi, nous l'avons dit, l'évangile doucement d'insister. Ni bâton. Alors François le saint, François l'écho, serra son bâton dans sa main, l'embrassa, puis comme un roi lâchant son sceptre, Diogène son gobelet, il le jeta par le sous-bois, vaillamment, et il partit à travers la forêt, sans le moindre impedimentum, plus libre que jamais, criant aux hirondelles, à la ronde, au plein parasol. Avez-vous mis l'évangile ? Avez-vous mis l'évangile ? Mais où vas-tu ? Clamait le vieux prêtre tout comme toi. Tu n'as prêché l'évangile ? Eh vive l'évangile ! Vive l'évangile ! Torche, dans les François, la mémoire, les sacs.
disait François. Et les yeux bleus fous, disait Ruffin. Tout l'ineffable est dans les yeux. Tout le solstice. Disait François. Les yeux, une goutte de ciel incarné entre les paupières. Je la connais. Depuis toujours, s'exclamait François, j'ai échoué à la marelle avec les lignes de beau temps, à la Saint-Ruffin. Je croisais ses pas, le dimanche. Et dans ma folle jeunesse, j'ai dansé avec elle. Elle avait 12-13 ans. Et son nom, je m'en dépassais. Elle s'appelait Claire. Naturellement, répondit François, un nom d'eau, de feu, d'esprit. Le nom de toute femme, en principe. Commence à descendre, elle entend au-dessous d'elle, comme en rêve, le léger brouhaha ami, elle perçoit vaguement d'ombre sœur, elle glisse, elle tombe, oui, tombe dans les bras de François. Ah, je le jure, jamais amant ici-bas, ni Tristan et son fameux filtre, ni Juliette et sa cruelle alouette, n'ont jamais eu à leur heure. Plus de plaisir que ces deux-là.
Je vole, voleur! Et les gamins criards qui pendaient aux arbres de piailler en écho. Voleur, voleur! Et les rauques poissonnières, à tablier cadrier, rouge rouget, bleu maquereau. Et les augustes compères, les purs paysans, devaient venir en fourmis. Voleur, voleur! Et peu à peu, ce mot énorme, innombrable, s'amplifiait, s'empanachait, et les cloches même sonnaient ding, voleur, don, voleur, et les battements même de son cœur scandaient. Voleur, voleur! François était là, au bon Dieu de la réalité. Est-il vrai? Est-il vrai? Le lait maternel, le pain maternel, volé. La parole que je parle, mon nom, ma peau, volé. L'homme né de la femme, l'homme consubstantiel à l'homme n'est donc qu'un parasite de l'espèce, un escroc de nature, un corps étranger. Est-il vrai que je veux un autre et maintenant tout cela le brûlait, ses étoffes, ses souvenirs, ses membres même le brûlaient. Bonheur, bonheur, et brusque, comme se déclenche une trappe, un orage en grossesse, un lion, dégrafant tout son manteau, il le jeta d'un grand domaine au pied de son père, comme une dépouille. Voilà, il ôta sa toque, la jeta par-dessus le manteau, il jetait à toute volée, il jeta son pourpoint, il jeta ses souliers, et tout ça voltigé par des pleins d'ironelles. Ça fait un cabariolet à l'avant-vol au pied de la place, les pigeons volumineux se tenaient quoi, dans les vifs cailloux, les chevaux songeaient. Et François Jolinel, tous les pinceaux du monde là-haut, dans les platanes, chantaient et fiantaient à qui mieux, et François aussi, c'était toute sa viande qu'il jetait au diable, la viande de l'homme, il le jetait, et ayant tout jeté, il le jetait encore, il le jetait toujours, d'un geste automatique, perpétuel. Que nous dit aujourd'hui, si c'était une livre de chair qu'on lui réclama, va pour le livre de chair. Et jusqu'à sa mère, mais d'où que ce sein si tendre ne pense plus jamais à sa mère. Désormais, n'a plus de mère, comme s'il avait rendu sa mère à son père. Par-dessus le marché, on sentait que sur sa lancée, il lui rendu ses oreilles, ses yeux, la totalité de son corps restitué à son géniteur jusqu'à sa goutte de sperme.
est-ce que la vie, la vraie vie, un poisson dans l'eau, une libellule au soleil, un hippopotame dans le marigot, savent ce que c'est que la vie. Et l'homme, où est l'homme? Vivre, faire la queue à la boutique de la mort, la vie avide, pure perpétuation, interminable bis à la chaîne, la dictature d'état civil, quoi, la tyrannie du calendrier, condamné à son pays, à son époque, à son espèce, à perpétuité, rameau de conclure, la vraie vie est absente. François, face à face, regardez le lépreux, un lépreux, grossissant d'un but d'œil incommensurable sur fond de ciel et qui parlait, et tout halluciné, ivre de mirage, François croyait entendre une voix qui disait « Qu'on me dise, François ?» et de répondre « À la guerre !» « Il n'y a qu'une guerre, déclarait l'autre, c'est l'esprit de guerre. » « Combattre l'ennemi !» continuait François. « L'ennemi est à l'intérieur !» répliquait l'imprescriptible voix. « L'ennemi, c'est toi !» L'ennemi, c'est l'autre, le mal, c'est l'autre, s'écria François, la famille, la société, le monde, Dieu. Le mal, c'est toi, disait le lépreux, le mal de l'homme, c'est l'homme, proférait le lépreux, comme si ce lépreux, symboliquement, savait que tout l'être est dans la chair et dans le cœur, qu'il n'y a pas d'autre l'être que l'homme, l'homme, ce grand bâtard. La créature dialectique, la partie équivoque, ambiguë, anarchique, passionnelle, psychosée, court-circuitée de la nature, l'anti-nature en vérité. Mais tout à coup, François eut un éblouissement. La lumière ultraviolette afflua de toutes parts. L'horizon s'avançait, un cheval sur les cinq sens. Il sut, il sentit jusqu'au fond de ses voiles qu'en effet l'ennemi était là, tout armé de pus couronnés d'épines de soleil, et que la vraie bataille, où il était si pompeusement parti, la voilà, la bataille de l'homme à l'homme.
que la paysanne étouffe entre deux bois. Il voyait et il pleurait abondamment. Ces plaies de Jésus, il les a depuis le commencement contemplées, méditées, absorbées. Il les porte en germe dans ses mâles, toutes répandues dans sa chair, à l'état latent, comme le cristal dans un liquide en voie de saturation, à la merci du cara. Depuis toujours, François avait mal aux plaies de Jésus. Mais aujourd'hui, jour de la Sainte Croix, tout cela s'amplifiait et palpitait, tout cela lui affluait violemment au sens. Il était là, bras en croix, les yeux sur la croix, le cœur sur la croix, remonté, obsédé, intoxiqué par cette croix, s'y accordant par longueur d'onde, et la copiant dans son âme, comme une décalcomanie, enceinte de cette croix, et peu à peu se sentait suspendu tout entier à cette croix visionnaire, et vivante tout en bois, brou de noix, tout en chair et en sang, tout entier, juxtaposé, accolé, accouplé à cette croix, depuis les cils jusqu'aux orteils, membre à membre, fibre à fibre, pelle à pelle, colloque, cri jaculatoire, chant, soupir, jeu de main, extase, et de l'un à l'autre corps, c'était maintenant un étrange échange, un suave et farouche commerce. De l'un à l'autre corps, ses plaies faisaient la navette et se faisaient écho. Ses plaies faisaient boomerang, tous phénomènes de surimpression, catharsis, osmose et symbiose, qui évoque les purs mêlés de la nature, le cerf au cerf affronté, l'aigle qui guigne bizarre, le baiser de la menthe, et le pli de genou de la gazelle sous le tigre, la mise à sac de la ville, prise d'assaut. Monsieur, j'ai l'air fort. Je dois, mon Seigneur Dieu, ton frère, le vent, là où est ton lèvre, tout ton nouvel et le temps serein, et tout le temps. Par quoi tu donnes sustentation à toutes tes créatures. Louange à toi, mon Seigneur Dieu, pour ta foi dans l'eau. Tu es digne, bien, précieux, dans les chances. Louange à toi, mon Seigneur.